Bon, bah go, hein. Allez hop, on va dedans. Alice Razor. Non mais quel enfer. Moi j'avoue que je considère les courses comme une partie de la cuisine, du repas et tout. Et aussi bon que soit un repas, plus il est chiant pour trouver les ingrédients, pour cuisiner, ça met des heures, des trucs comme ça. Plus je le mets bas dans la tier list, parce que quel cauchemar. Genre c'est comme la blanquette de veau, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'adore ça, je pourrais me damner pour ça. Mais en faire une, mon frère, il faut tellement préparer ça en avance. Trop la flemme. Des pâtes avec du beurre et du jambon. Non mais ça c'est exaritière, ça c'est trop grave. Le guanciale il est quand même à 40 euros le kilo. Ah bah voilà les pâtes carbo. On passe à un plat. Crème fraîche, lardon. Allez, petit parmesan ou petit fromage dedans si vous êtes un peu fancy. C'est le plat très bien pour les étudiants qui veulent manger un truc un peu goûtu et tout. Et après on a gnu, les élitistes, la carbo, c'est l'italienne, sinon c'est pas une vraie carbo. Carbo italienne, sinon rien. Avec du guanciale à 40 euros le kilo. Ça va, bande de privilégiés, là? Bagarre. Vrai carbo, 20 euros l'assiette, voilà. Moi, je défends les droits des étudiants. Le droit de bien manger. Marre des puristes de la carbo. Moi, je suis pour une carbo libre. Je suis sûr que tu prends les lardons dégueux du supermarché. Pourquoi tu les achètes tous tes lardons, frère? Moi j'habite à Paris, je peux pas aller directement chez l'artisan du lardon pour aller acheter du lardon. Hein. Les étudiants, ça va au Five Pizza. C'est vrai. Bon allez, sur ces techs là. Alice Razor, s'il loot la monture, c'est qu'il est fan de carbo. Eh ben il est pas fan de carbo, voilà. Il déteste la carbo. J'ai juré, si j'habite à Paris, je vais faire mes courses en banlieue. Pourquoi? Pourquoi faire? Ceux qui foutent de la noix de je sais pas quoi dans la carbo, allez vous faire cuire un œuf. Noix de muscade? C'est bon la noix de muscade. Les prix à Paris, ah oui c'est vrai. Ouais. Mais de toute façon, en banlieue ou Paris, les prix de supermarché sont les mêmes. C'est horriblement cher. L'artisan du lardon, ça s'appelle le lardonnier. Je viens de vérifier, ce terme existe. Le lardonnier, ça existe vraiment? J'adore. Ça me fait un peu rêver. D'ailleurs, si un modérateur veut mettre une nouvelle prédit pour savoir si on arrivera à obtenir les serres de flamme d'Alice Razor. Banlieue, c'est trois fois moins facile. Tu te rends pas compte parce que t'es riche. Si, si, t'inquiète, je déglutis à chaque fois que je fais les courses. Pourquoi faire les courses quand on peut se faire livrer en parler de la flemme? Ah putain, j'avoue. Se faire livrer les courses. Mais alors, en fait, se faire livrer les courses, trop bien. Mais défaut, c'est que souvent, ils ont pas ce que tu veux dans les produits. C'est hyper cher. Je trouve que c'est méga cher. Ça revient souvent beaucoup plus cher parce qu'ils ont peu de choix. Et du coup, souvent, ils te mettent des choix de marque alors que, bah, en vrai, tu sais, il y a plein de trucs de marque distributeur qui valent grave la peine, quoi. Alors, hop, on peut passer en normal. 6 euros de frais de service. Oui, en plus, t'as les frais de service super chers et tout. Moi, je trouve ça trop bien, hein, le fait de se faire livrer des courses. Des fois, je le fais, notamment quand je fais des énormes courses, parce que je peux pas le porter jusqu'à chez moi. Je suis faible. Même si, c'est vrai, j'ai des gros muscles et tout, mais bon. Qui gagne entre des courses et Sunday? Bah, les courses. Mais j'essaie d'éviter parce que ça coûte trop cher quoi. Livraison au point relais pour les courses. Mais du coup t'as le pire des deux mondes. T'as pas le choix dans ce que tu veux et en plus tu vas devoir te déplacer. C'est le pire des deux mondes la livraison au point relais pour les courses. Merci Mochi pour la prédit. Moi ça va peut-être parce que je suis en province. Putain, moi je trouve les courses ça coûte tellement cher. En fait, je le vois quand je fais des courses genre
Là, j'ai fait des courses en mode je veux cuisiner un peu. Abusé à quel point ça m'a coûté cher. Alors que d'habitude, je fais vraiment en mode je mange des potes, des trucs comme ça. Je mange vraiment hyper basique. Et là, j'ai voulu faire un truc un peu fancy en mode j'ai envie de cuisiner. Mais j'ai même pas acheté des produits de marque et tout. Hein. Juste, j'ai pris du jambon sec. Et même pas chez le traiteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre jambon sec de marque Distrib et tout. Et j'en ai eu pour le double de mon prix de course habituel, quoi. J'étais choquée. Top 1 de raison de prendre HelloFresh, c'est d'habiter sur Paris. Bah, le problème de HelloFresh, trop bien. Mais juste, il faut cuisiner. Chez le boucher, c'est moins cher. Je trouve que c'est trop une déter d'aller chez le boucher pour acheter des trucs et tout. En plus, faut avoir un boucher près de chez soi. Tout le monde n'a pas un boucher près de chez soi. Je trouve que c'est déjà chiant de faire le déplacement pour aller jusqu'à l'endroit où tu vas faire tes courses. Si en plus tu dois aller après ou avant chez le boucher, t'as trop la flemme. Hein. On n'a pas looté. J'habite en Ardèche, ça veut dire quoi livraison? C'est vrai que sur ça, c'est vraiment un truc de parisien là, se faire livrer. Le mieux pour limiter les frais, c'est les œufs. J'avoue, les œufs, c'est vraiment ultra bon bail. Genre, ça coûte pas méga cher. Tu peux faire tellement de recettes avec, c'est super nourrissant. C'est une des meilleures techs. HelloFresh, ça existe en Suisse? Je sais pas du tout. Je sais pas s'ils livrent dans d'autres pays. Tu me fais ban si je parle de HelloFresh. Tu peux en parler, je suis pas sponsor HelloFresh. Même si j'étais sponsor, tu pourrais dire que c'est de la merde. Ce serait chiant. Pour moi, parce que je serais en mode « Haha, je vois pas ton message. » Mais tu pourrais le dire. Pâte avec des œufs. Bah ouais, tu peux le faire. Genre du riz cantonné. Genre... Enfin, c'est pas des pâtes du coup, mais... En riz, petit pois, œufs... Bon, lardon, si t'es un peu gourmand. Pas mal en vrai. À l'époque, je trouvais que le prix était moins cher au carrefour de Créteil Soleil plutôt que celui d'Italie 2. Avec ma pote, on pensait que c'est parce que les loyers étaient pas, sont pas les mêmes pour les deux magasins. J'adore comment tu nous spécifies Créteil Soleil Italie 2. Genre, on dirait un peu des noms de code. Ça me fait marrer. C'est les giga noms de code, là. Même le porc et le poulet, c'est devenu cher. Ouais, toute la viande, c'est devenu cher. J'avais mis à jour le nombre de tentatives ou pas? On était à 68 ou 69? Je sais pas. Je ne sais pas à combien on était. C'est pas de la merde, ils ont volé un concept gratuit à une application pour la rendre payante et... En gros, un coup de com' en te faisant croire que c'est des génies révolutionnaires. Mais c'est tout le monde, ça. Bienvenue dans le monde moderne. Hop. Alors que le Carrefour Mérignac Soleil, c'est quand même plus classe. Faites trop rire à balancer les noms de vos carrefours et tout, là. C'est trop drôle. Tu es obligé de changer de perso à chaque fois? Oui. Oui, je suis obligée de changer de perso à chaque fois. Parce que chaque perso ne peut faire que 2 essais par semaine. C'est pour ça que ces montures sont très dures à avoir. C'est parce qu'il y a 1% de chance qu'elles tombent. Et en plus du fait qu'il y a 1% de chance qu'elles tombent, on ne peut les faire que 1 ou 2 fois par semaine avec chaque personnage. Du coup, ça rend le tout très difficile. Chez Lidl, ils font souvent des bonnes offres sur la viande, mais c'est pas cadeau malgré tout. Ça reste cher, hein, la viande. Et en plus, moi, j'aimerais... genre, vrai bon truc, ce serait que les produits, genre, végétaux, genre, vous savez, genre, les steaks de soja et trucs comme ça, même si on n'a plus le droit d'appeler ça comme ça, non? Ou les lardons végétaux, les trucs du genre. Si c'était moins cher que de la vraie viande, je pense qu'il y a tellement plus de gens qui en consommeraient. Mais comme ça coûte plus cher que de la vraie viande, ça n'a pas de sens, tu vois. Et du coup, ça incite pas à en consommer.
Lidl, ça fait un peu flipper comme supermarché, j'avoue. Je suis un peu d'accord. Bah du coup, je sais pas si j'étais à 68 ou 69, donc on va dire 68. Quand tu regardes au kilo, c'est plus cher. Toujours regarder au kilo, de toute façon. Vous osez pénétrer dans mon domaine, votre arrogance sera consumée par la flamme vivante. J'ai trouvé riche en glucides les viandes végétales, celles dont j'ai regardé l'étiquette en tout cas. Bah oui, parce que c'est des trucs qui vont être fabriqués à base de... comment dire, de céréales, de trucs comme ça, enfin c'est normal. En Allemagne, il y a un rayon végé super bien garni, c'est moitié moins cher qu'en France. Putain, le rêve. Hein. Le rêve de fou. Je prends souvent la viande en date courte, c'est moins cher et j'ai presque mon repas pour le soir. Ouais, moi quand j'en prends, je fais pareil. Je prends souvent des trucs en DLC courte parce que de toute façon, je m'en fous, je stocke pas. Genre souvent, je fais les courses toutes les semaines, moi. Donc ça me gêne pas trop. Je prends pas des trucs que je dois garder longtemps dans mon frigo. Je suis en train de manger un tour de dos de bœuf. Bah régale-toi! Pitié, régalez-vous! Je sais pas pourquoi ce perso il a pas les trucs qui se sont sauvegardés sur l'interface. Je vais essayer de le régler. Tac, ça. Vous vous souvenez peut-être d'Elsra mortelle. Elle m'avait rendu... Je cherche une quête depuis 10 minutes indiquée sur la map, je la google, c'est la quête de quand tu passes level 80. Ah! Bizarre l'ambiance. Je prends au boucher pour le mois, c'est pas cher de ouf vu que tu prends beaucoup en quantité. Mais genre tu peux garder la viande un mois dans le frigo? Genre je sais pas, moi j'aurais trop peur qu'elle soit plus bonne. Allez hop, Alice Razor, tu es... On met à jour tout de suite. On est à 69! Est-ce que ça va nous porter chance? 69e try. Est-ce que... Ce serait ironique, mais j'aimerais bien. Qu'on l'ait sur le 69e try. Et non. Ça aurait été très drôle, mais non. Nope. Ah, faut la congeler, ok. Et ça perd pas en saveur quand tu congèles? Tu mets au frigo uniquement la viande que tu vas grailler le lendemain. Ah oui, d'accord, ok. Too good to go. Ouais, too good to go, j'en ai entendu parler, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, mais des fois c'est un peu scam, je crois aussi. Tu n'utilises pas la Dawn Rarity pour le suivi des trails de monture? Si, mais il est bugué dans les terres de feu. Allez, here we go again. Si tu mets une demi-vache dans ton appart, dans un studio à Paris, tu as nulle part où dormir. Mais des gens font ça, acheter une demi-vache? Attends, mais le congélo de zinzin que tu dois avoir. C'est des trucs de survivaliste, ça. Congelé, ça change pas le goût, un peu la texture pour certaines viandes, ça dépend si tu l'as cuisiné avant ou pas aussi. Ok. It makes sense. It makes sense. C'est pas un congélo, c'est une morgue, ça va être de ouf. T'as un frigo indépendant et un congélo indépendant, ça va. Mais du coup, faut que t'aies grave de la place. Votre arrogance sera consumée par la flamme vivante. Franchement, faut avoir tellement de place chez soi. Faut pas être dans un studio à Paris. Eh oui. Mission perdue, les gars. Et encore, moi, je m'en sors bien, j'ai un frigo. Enfin, un frigo congélo. J'ai un grand frigo congélo. Ce qui ne sert à rien parce que... Bah,
Je ne stocke pas. Mais j'ai quand même un grand frigo congélo. Mon proprio s'est pas foutu de moi. Pour avoir de la place, faut pas habiter Paris. La discussion tourne en rond. Eh oui, mais pour avoir des opportunités, il faut habiter à Paris. So, la discussion tourne en rond. 2000 H, c'est 200 kilos. Qui stocke 200 kilos de viande? J'avoue, 200 kilos de viande, t'as à manger pour un an. C'est un truc de fou, c'est énorme. C'est bien pour les soirées. Le congélo? Je suis solo, ça va, pour tout stocker, je prends pas trop de place, mais pour 2-3 personnes, c'est plus compliqué. Ouais, j'avoue. Non mais je pense que ça, pour revenir sur le sujet de Paris, je pense que Paris, ça devient le cauchemar dès que tu commences à avoir une famille. Hein. Déjà, j'imagine, les gens qui vivent à deux, ça doit être un peu... comment dire, oppressant. De vivre l'un sur l'autre et tout. Et même, alors, dès que tu commences à avoir des enfants, t'as les galères de trouver des crèches, des trucs comme ça à Paris, c'est horrible, quoi. Allez, Alice Razor, loot! Loot ta monture! File-nous le piaf de feu! Toujours pas. Toujours pas, 70e try. Not yet. Qu'est-ce que tu penses d'habiter à Monaco pour l'URSSAF? Mais Monaco, faut que tu sois né là-bas, non? Monaco, tu peux pas habiter là-bas, enfin tu peux pas devenir monégasque comme ça, c'est ultra limité, non? Je sais plus ce que c'est les règles pour Monaco. En tout cas, je pense que l'URSSAF m'emmerderait tout autant que ce soit à Monaco ou à Paris. Donc bon. Vivre à Monaco en tant que personne indépendante économiquement. La voie la plus simple pour s'installer à Monaco est de démontrer disposer d'un patrimoine financier significatif. Au moins 500 000 euros dans une banque monégasque. Et ainsi pouvoir vivre à Monaco grâce à son patrimoine personnel. T'es... Les gars... Plus que 4 999 euros à obtenir. Let's go les gars. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Faut être résident depuis longtemps et avoir contribué à la ville ou être marié à Monégasque depuis longtemps. Putain, faut que je trouve un gobelin monégasque. Comment ça 4999? Non mais je sais pas donner les chiffres, mais genre 4900... Non, 499 000. C'est ça. 499 000. Dans ma tête, il y avait les zéros. Putain, j'aimerais bien. Hein. Elle voulait dire plus que 4,99€. Putain, j'aimerais bien. C'est trop chiant. À chaque fois que je me connecte, il m'enlève le... Il m'enlève le mode, là. Après, le September, tu peux y aller, je pense. Et je vous ai déjà dit que c'est compliqué le September. Marie-toi avec un VTuber Twitch monégasque que t'as créé et hop les papiers. Et je crois que... Peut-être l'info que t'as pas, mais il faut que la personne existe pour avoir des papiers. Tu peux pas inventer une personne... et avoir les papiers grâce à ça, ça marche pas. C'est une strate de filou. Au pire, Charles Leclerc. Le pilote là ? J'avoue qu'on se fréquente de fou en plus, Charles Leclerc et moi. Puis il doit être tellement marié ce gars. Se marier avec une personne imaginaire, c'est pas en France. Mais c'est nulle part, je crois. Une pub September sur Instagram. C'est vrai, il y a une pub September. D'ailleurs, on sait ce que ça va être les offres du September ou pas cette année. Ils l'ont expliqué ou pas?
au Japon avec Hatsune Miku. Putain, je vais me marier avec Hatsune Miku. Mon rêve. Les gobs à partir du 29 août. 25% 1 mois, 25% 3 mois, 30% 6 mois. Oh, Samuchi. Ça, c'est une bonne info. Mais faut que vous attendiez septembre. Honnêtement, attendez septembre. Et septembre, si vous voulez contribuer, parce qu'il y a le 70-30 qu'on doit renouveler. Et du coup, si vous le faites en août, bah du coup, faudra le faire un mois de plus. Donc si vous voulez économiser la max, septembre plutôt. Ça parle de quoi? Ouah, de plein de choses. On parlait d'obtenir la nationalité monégasque. Du septembre, on parlait de plein de choses. Voilà. Les primes comptent pas pour le 70-30. Non, les primes comptent pas pour le 70-30. C'est que les abonnements individuels. C'est quoi T1 1 point, T2 2 points, T3 6 points. Donc le T3 est beaucoup plus rentable en termes de puntos. Les subgifts ne comptent pas. Donc pas la peine de faire des subgifts non plus. Pas de thunes globalement. Ouais, on a eu un long débat sur la bouffe, la viande. Plein de choses dont on a parlé. Marier un monégasque, autant de pas de carbo qu'on veut. Putain, mon rêve. On repart en guerre pour toi. Les soldats. Mon bébé mangera des cailloux! Non mais non, non, non! Mais c'est seulement si vous le pouvez. Je ne suis pas... Attendez, mais peut-être que je peux faire ça. Je crois qu'il y a des streamers américains, ils font ça, non? Genre ils sont horribles avec leurs viewers, ils sont en mode... Allez! Faites-le! Ce sera du 29 août au 1er octobre. Ok. Très bien. Et moi je vous dis... Août, c'est pas la peine de setup ça. Si vous voulez aider, n'hésitez pas à le faire à partir de septembre parce qu'il va falloir qu'on refasse 3 mois. À coup de 300 points. Toute aide sera précieuse. Alors, monture, peut-être monture, 71e trail. Putain, il m'a bait avec son rasoir d'Alizra, là. À chaque fois, je crois que c'est la monture. Oh, j'y ai trop cru. Non. Ce n'est pas la bonne, pas encore. Parle-nous mal, peut-être que ça marchera comme les shiny. Je sais pas, vous parlez mal, les gars. Je sais pas comment ils font. C'est pas trop au level pour le boss. Je les fume tous. Je fume tous les boss, la musique pas à chaque fois. Oui, j'avoue. La musique qui s'énerve dès qu'on lance le fight. Donc il est en mode Sanctum Dominum Blablablam. T'es en mode genre waouh waouh waouh, du calme. Du calme. Tu veux que je donne mon avis sur les canets? Ah, Shiba Ibai, je crois que je vais t'insulter là. Ah, je crois que je passe de mes viewers chéris à je vais vous insulter. Aïe 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 aïe. Tu nous avais caché tes talents d'opéra. Putain, mon rêve. En vrai, premier degré, je trouve ça incroyable. Les gens capables de chanter de l'opéra. Je me dis, c'est une folie à quel point là, ils arrivent à avoir une telle puissance dans la voix. Genre, le mec, il chante, il te stun. C'est trop fort. La meringue que je déteste. Ça va, c'est pas trop de pec. J'accepte si ça peut t'aider à avoir la monture. Je crois qu'il n'y a pas de théorie comme ça, hein. La théorie de il faut insulter les gens pour avoir la monture, j'y crois pas trop, hein, j'aime pas. Hein. Sandek, je suis sûre de tes capacités. Bah écoutez. Un jour peut-être je testerai. Pas en live. Allez, oui, Billy. Je crois qu'on va avoir quoi, 80 essais au total aujourd'hui, même un peu plus. Parce qu'on fait 2 essais par perso. On en est au 3e perso de remix. Et le reste, on a 10 persos. Oh putain, qu'est-ce qu'on en a des trails. On va peut-être arriver à la centaine en vrai. Hein. Je disais 80, mais en fait, je crois qu'on va pas être loin des 100. Hein. En 3 semaines, on aura fait plus de 100 essais.
J'ai 5 étoiles des GTA des modos sur le chat sur le dos. J'avoue que t'es surveillé, hein, fais gaffe. Hein. Fais gaffe. C'est trop loin. Alors, hop, Weed Edge. Alors j'ai hâte qu'on le finisse ce raid. Hein. On arrive à avoir la monture là. Elle nous en aura fait suer. Hein. Et encore, dites-vous, je suis vraiment contente qu'on n'ait pas l'autre monture. Enfin, comment dire, que ce soit l'autre monture qu'on a eu en premier. Parce que si on avait eu à chaque fois aller jusqu'à Ragnaros. Oh, oh, ça aurait été si long. Alors que là, ça va, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On boucle sur un truc assez. Enfin, c'est plutôt le début, quoi. Elle aussi a eu sa renaissance. Je trouve ça plutôt cool. Dans les flammes. J'aimerais la voir réduire votre pitoyable groupe en cendres. Mais je suis attendu ailleurs. La tête de Mimiron est toujours dispo. Ouais, j'ai pas encore fait la tête de Mimiron. Mais oui, on peut toujours la voir. Et elle fait partie des montures que j'aimerais bien farmer un jour. Mais le problème, c'est que Ulduar, fou, c'est une déterre d'aller d'aller chercher Ulduar. Allez. Peut-être la monture. 72e try. Allez. We believe. Toujours pas. Aïe, aïe, aïe. Le debuff. Le big debuff. On le sait, hein, c'est une monture rare. Je me demande s'il y a des gens qui font que ça dans le... Genre que farmer des montures. Que ça. Je suis juste en mode, vas-y, ma vie, c'est farming, farming monture. Sûrement. Moi, en vrai, je fais pas que ça. Hein. Moi, je fais pas que ça, mais j'avoue que c'est un truc que j'aime bien faire de façon assez régulière. Je trouve que c'est... Il y a un côté un peu relaxant, tu vois. Genre, tu poses ton cerveau et tu fais ça en boucle. C'est un peu satisfaisant. Bon, alors, attendez. C'est de la chasse au shiny. Ouais, c'est un peu ça. C'est de la chasse au shiny. On va compter combien il nous reste de try au total. Parce qu'on en a beaucoup en vrai. La guilde où je suis, c'est que du farming de Moon, Transmo, etc. Ah ouais, ils font que ça. Mais genre vraiment, est-ce qu'ils font ce truc en boucle de connecter tous leurs rerolls et de faire un par un? Parce que c'est une déterre quand même. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnages. 11 personnages x 2. Donc 22 try. Donc, on va passer au maximum à 94 try. Pour vous donner du nombre de chances qu'on a d'avoir la monture aujourd'hui. 94 try. Dire que moi j'en ai marre au bout de 2 try. C'est une déter, hein. C'est une vraie déter. Mais après, bah, des fois ça tombe super vite, des fois ça tombe super lentement, hein. Tu sais pas. C'est aussi ça qui fait la beauté de la chose. C'est qu'il y en a peut-être le Alizrazor, peut-être qu'on va le farmer pendant des semaines et des semaines, genre peut-être qu'on va y être toutes les semaines pendant des mois. We don't know. Après aussi, Alizrazor, le truc c'est que c'est super long parce qu'on le fait en 2 fois à chaque fois. Et en même temps, c'est super long, mais d'une autre manière, c'est assez court, dans le sens où... Enfin, c'est court. Disons que si on doit avoir... Si on doit avoir en...
comment dire, en centraille la monture, on l'aura deux fois plus vite sur ce raid là que si on le faisait sur un autre, on peut le faire qu'une seule fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux changer ma prédit, Miss Click? Comment ça? T'as voté non? T'as voté non et maintenant tu veux mettre oui parce que tu te dis vas-y, il y a beaucoup de trail quand même. Autant la première, il y a très peu de trail, autant la deuxième, il y en a beaucoup quand même. Hein. Pas pire que le Roi Lich. Mais Roi Lich, moi j'ai pas mis tant de temps que ça pour l'avoir. J'aimerais bien que Rarity me dise combien j'ai mis à l'avoir. Mais je crois qu'il te dit plus quand t'as déjà eu la monture. J'aimerais bien voir ça. Et là vous voyez tous les trucs qui s'affichent, toute la liste là des choses qui s'affichent à mon écran. C'est que des montures qu'on peut avoir avec le même système. Certaines sont à 100%, certaines sont à 1%. Genre là par exemple il y en a une, crin d'or, une chance sur 3000. Une chance sur 3000 d'avoir la monture. Ré de la grande mère, une chance sur 10 000. Voilà, je vous laisse réfléchir maintenant à cette information, maintenant que je vous l'ai donnée. Après, c'est pas le même système d'obtention aussi. C'est un peu rare. Oui, c'est un peu rare, effectivement. Mais en fait, c'est pas le même système d'obtention. Parce que là, on fait des raids qu'on peut faire qu'une seule fois par... Enfin, on peut faire une fois par semaine ou deux fois par semaine pour les chanceux. Là, par exemple, pour celle de 10 000, c'est de la pêche. Et de la pêche, en une heure... Je sais pas combien tu peux pêcher de poissons, mais tu en pêches une petite centaine, je pense, facile. Donc en fait, ça reste une des terres, mais c'est pas autant. Je l'ai, la reine de la grande mère, mais je ne cours pas après les montes. Et ben voilà, tu sauras que c'est une chance sur 10 000 de l'avoir. Donc tu as une monture extrêmement rare. Il y a une moon que j'aimerais avoir avec un temps de respawn très long. Faut prendre un selfie avec pour l'obtenir. C'est vrai, c'est trop marrant. C'est quoi comme moon? Allez hop. Alors peut-être. Est-ce qu'on va avoir la monture? We believe. Toujours pas. Je crois que je pleure le moment où je l'ai. Hein. Le moment où j'obtiens la monture, les gars, je pleure. L'hippocampe chelou dans la flotte? Je connais pas. La moon de BF1. Fabulicieux. Ok. Je connais pas du tout. Mais après, si c'est un truc BFA, c'est pas mal, non? Parce que BFA, du coup... Il y a plus beaucoup de monde qui le farme, non? Il est joli, cet hippocampe. Ouais, c'est un hippocampe un peu genre... un peu licorne, non? Je trouve qu'il est pas mal. Pourquoi Moubot, il spamme mes shiny? Vas-y, arrête de spammer mes shiny. Au moins, le loot est bien. Bah, en fait, BFA, c'est surtout que c'est une extension qui date d'il y a 6 ans, un truc comme ça, même plus, 6-8 ans. Donc du coup, bah, il n'y a pas trop de monde qui est dessus. Et du coup, maintenant, tu peux plus facilement farmer les montures. Après, je dis ça, mais je vous avais parlé d'une monture qui est sortie il y a au moins 16 ans. Le proto-drake perdu dans le temps et qui est toujours aussi difficile à avoir. Malgré qu'elle soit sortie il y a 16 ans. Parce que, bah, elle est un peu légendaire, quoi. Et proto perdu dans le temps, il y a vraiment une strat où tu places tous tes rerolls à plein de points de spawn de où il peut apparaître. Tu connectes tous un par un. Tu checks s'il est par là. Tu fais un petit tour. Tout le monde pouvait l'avoir à l'époque, il fallait juste faire un selfie. Elle se déplace très vite, donc faut être très rapide. Et son temps de respawn va de 2 à 8 heures. Ok, ah ouais, donc 2 à 8 heures, c'est quand même... Bah, c'est comme le proto, quoi.
Donc ça reste vraiment difficile à voir, effectivement. Allez, another try. En fait, je comprends ce qu'il ressent. Dave, quand il doit jouer à WoW, il est en prison en fait. Il est prisonnier du jeu, il attend que le jeu le libère. Des visiteurs dans notre royaume des terres. Moi aussi, je suis prisonnière des terres de feu. Je suis prisonnière de cette monture qui ne veut pas looter. Mortelle. Elle m'avait rendu ma liberté au Mont-Jal. Elle aussi a eu sa renaissance dans les flammes. J'aimerais la voir réduire votre pitoyable groupe en cendres, mais je suis attendu ailleurs. Adieu. Bon allez, est-ce que c'est le try? J'espère désormais à nous. Est-ce que c'est le try? Ce serait bien. 60... Franchement, en vrai, 74, ce serait pas mal. Liberté. Putain, le jour où elle me libère, Alice Razor, là. Allez, Alice Razor, c'est ton moment, s'il te plaît, loot la monture. Pitié, I beg you. Ah! Toujours pas! 74. J'aime tellement le « je suis attendu ailleurs » en mode « merde, je suis à la bourre ». Oui, il me fait trop rire son dialogue. Si tu lootes pas la mount, le reste que tu lootes, c'est bien. Non, ça sert à rien, tout ce que je loot, ça sert à rien. En fait, ça me fait juste un peu d'argent, quoi. Je vais tout revendre, mais ça me fait 100 balles. Tchou! Wow, j'ai failli me jeter dans la lave en éternuant. Ça aurait été vraiment la pire des morts. Oh, la mort nulle! La meuf éternue, se jette dans la lave, meurt. Je vais tenter ma chance dans ce raid aussi. Oh non, la dernière fois, vous savez ce qui s'est passé. La dernière fois, il y a quelqu'un pendant que j'étais en train de farm, il s'est dit « Oh vas-y, je vais aller tester juste pour voir. » Il a eu la monte. Et il y a eu ça aussi sur YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a dit pareil sur YouTube et m'a dit « Oh bah du coup, je suis tombé sur ta VOD. J'ai été essayé, en deux tries, je l'ai eu. » Je suis en mode genre « Ah ah ah, trop bien, ça me fait trop plaisir. Ah, » ah. Dégoûté. Mais bon. Pas déjà arrivé, tu éternues, tu tombes dans la lave. Oh oui, ça a dû déjà arriver. C'était arrivé à qui? C'était... Putain, c'était qui? C'était Locklear, je crois, je sais plus. Ou Locklear ou Bob Lennon, je sais plus. Qui est en train de jouer à Minecraft hardcore. Un truc en hardcore, en équipe, etc. avec plein de gens. Et genre, si tu meurs, tu meurs, quoi, c'est fini. Et le but, c'est d'être la dernière équipe en vie. Et genre... Il est en train de jouer, il mine tranquillou. Et il mine un bloc, et là il y a un moustique. Et du coup, bon au début il chasse un peu le moustique. Et il a FK, pour tuer le moustique comme ça. Et en fait il se rend pas compte que juste avant, tu sais, il était en train de miner. Il mine, il cherche le moustique comme ça. Il s'est pas rendu compte qu'il a miné un bloc de lave qui a libéré, enfin un bloc de pierre qui a libéré de la lave. Du coup son perso meurt dans la lave. Tout seul, alors que lui n'avait même pas vu du coup le moustique. Il a hurlé. Rassure-toi, je suis à 163 tries, je l'ai toujours pas. Ça me rassure pas du tout de lire ça. Je ne suis pas rassurée de lire que tu as 163 tries et que tu ne l'as toujours pas. Je voudrais que vous me disiez à chaque fois « Ah non, t'inquiète, je l'ai eu en 100 try, je l'ai eu en 20 try. » Moustique, les vrais boss de fin. Mais la scène, elle est légendaire. Hein. Je sais plus qui c'était, mais vraiment, c'était trop drôle. La mort en mode le moustique, là. Je peux pas te faire ce coup-là, j'ai déjà toutes les moons de TDF, mes moons Nemesis sont ailleurs. C'est quoi vos moons Nemesis, là, pour les joueurs? Celle que vous farmez depuis 1000 ans et que vous n'arrivez pas à avoir. Balancez un peu. Moi j'avoue que Alice Razor, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... aussi la galère. Invincible, fusée de l'amour. Ah ouais mais elle est...
Fusée de l'amour, elle est connue pour être un Némésis. Elle est très rare. Et en plus, elle est dispo que genre 3 semaines par an. Même pas 3 semaines, 2 semaines par an. Donc bon, quel cauchemar. Salut Azote, ça va ou quoi? Cendre d'Alar. Ah ouais? Attends, moi j'ai les deux. Qui sont tombés assez vite en vrai. J'ai eu beaucoup de chance sur ces montures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va et vous? Ça va bien, merci. On est en pleine expédition Mount Farming sur WoW. On a testé un peu le leveling sur la nouvelle extension. C'est très satisfaisant, j'aime beaucoup. J'ai passé un très bon début d'extension là. Et je me dis, on en profite et on va essayer d'avoir un peu de chance. Mais cette semaine, j'ai l'impression que la chance n'est pas avec nous. Après, peut-être que je me trompe. Hein. 165 trails, le dernier event de l'amour. 11 persos sur 15 jours et rien. Oh là là. Ça fait mal au cœur, ça, Alia. J'ai zéro mount, mais parce que tu joues pas, Drixie. T'en aurais plein si tu jouais. Aile du vide non corrompu, ils ont retiré à Shadowlands, j'ai envie de die. Aile du vide non corrompu, c'est le corbeau violet, là. Qui lootait dans des portails, non, c'est pas ça? Les cendres d'Alar pour l'histoire, ma 23e tentative, un poste se posait la question comment je pouvais soloter Kel'Thas en démono. Je l'ai fait venir, qu'il raconte comment il fait, et il est tombé, il me l'a ninja. Super le pote! Ça c'est un vrai pote. Après, est-ce qu'il te l'a ninja? S'il faisait partie du raid, il a eu raison de rendre, hein. C'est rare, hein. Je dois m'approcher. Ah, rejetons de Vexiona sur Enzoth le corrupteur. Ok. C'est encore ton pote, j'avoue. C'est encore ton pote. Vous vous souvenez peut-être d'Alfra. J'avoue que moi j'aurais trop le seum en vrai. Je suis en mode non, mais il a bien fait, mais en vrai, j'aurais trop le seum. Je serais en mode genre oh, relou. J'aimerais la voir réduire votre pitoyable groupe en cendres. Mais je suis attendu ailleurs. Adieu. La Némésis de monture, c'est celle de la fête des brasseurs jusqu'au jour où j'ai eu les deux dans la même cage depuis sa expérience 12B. Ah. Putain, deux dans la même cage. C'est une stat de zinzin, ça. Allez, allez, Zrazor, il faut mourir maintenant! Il faut mourir et looter! Bon, mourir, c'est fait! Maintenant, est-ce qu'elle nous a écoutés? Est-ce qu'elle va looter? Toujours pas! Toujours pas! Je vais pleurer, les gars! Je vais pleurer, j'en peux plus! Je sens la monture! Moi, je sens le taureau, c'est tout! Je pue! Ou je sens le seum! Mais c'est tout! Allez, pitié, loot-moi cette monture! I beg you, le jeu, donne-moi la monture, là. Mais non, Sunday, tu sens encore les vacances. Je veux dire, le jacuzzi. Le jacuzzi et la bière. Qu'est-ce que c'était bien. Was good. Ouvre la fenêtre. Pour que les voisins ils m'entendent faire oh putain, pas encore la monture et tout! Bof, hein. Sur le Tekeltas, ça prenait 45 minutes une fois par semaine, c'était possible que en démo avec une spé particulière. Mais attends, mais c'était quand à vos tel cas ça? En vrai, j'avoue, normal que t'aies le seum que le mec il soit parti avec. Sunday, tu sens l'apéro. Mon rêve, hein. Un parfum d'apéro là. C'est quoi le random parfum? Genre, qui se fait pas trop, mais que vous pourriez aimer. Ok, je vous donne un exemple concret. Moi, j'aimerais bien un truc un peu pain d'épices, spéculoos. Genre, vous savez, les épices de Noël, là. J'adore cette odeur, je trouve que ça sent trop bon. Je sais pas s'il existe du parfum qui a cette odeur, ou ça doit être du parfum pour enfants, quoi. La bière, ça sent bon. Le jacuzzi, c'est de l'eau. C'est pas fou. Ah. Non, la bière, ça... oui, ça sent bon.
Dis cannelle, je t'approche jamais. Bah, c'est ce genre de truc, hein. Parfum essence. Parfum poulet rôti. Parfum cannelle. Parfum gaufre. On a des idées, hein. On a des idées. L'odeur du lave-glace pour la voiture, c'est très spécifique. Parfum pêche. Je pense que parfum pêche, ça doit se trouver. Mais parfum pêche, c'est facilement un gel douche ou un truc comme ça. En vrai, il y a moyen. Si t'aimes sentir la pêche, je pense qu'il y a grave moyen. Avec un gel douche ou un shampoing à la pêche. Moi, j'ai une crème pour les cheveux à la pêche. Ils sont trop bons, la pêche. Un pote parfumeur m'a fait sentir un flacon avec une senteur popcorn. J'ai l'impression de sortir... de sentir le cinéma quand j'y vais. Enfin, j'avoue, popcorn, pour moi, c'est vraiment l'odeur du cinéma, quoi. Parfum permanent chez le coiffeur, l'ammoniaque. Oh, c'est très spécifique, ça. Parfum herbe coupée. Odeur de durian. Tout le monde le fume. Effectivement. Odeur pluie. Oh, l'odeur du... Comment ça s'appelle ? L'odeur de la pluie sur le goudron, ça s'appelle le pétrichor, voilà. Odeur pétrichor, c'est très précis. Fraise des bois, je pense que ça se trouve. Noix de muscade. Oh, noix de muscade. Ça, je pense pas que ça existe, mais ça doit sentir trop bon. J'ai un shampoing qui sent super bon, Elsève rouge rose. Ah, genre, en vrai... Un gel douche ou un shampoing qui sent bon là, incroyable. Après on prend pas de douche, non mais bon. Parfum sueur de gobs là, shampoing à la truffe, shampoing au café. Oh, j'avoue, un shampoing au café de fou. Sapin mélèze. Moi mon gel douche il est au sapin. Voilà, mais je prends pas de douche donc bon. Allez, est-ce que l'absence de douche va invoquer la monture? Toujours pas Sage. Par contre sachez que... Malgré le fait qu'on ait fait 76 trails, on vient d'obtenir une nouvelle apparence qu'on n'en avait pas avant. Il y a un objet qu'on n'avait encore jamais obtenu avant. C'est quand même une dinguerie. Mais j'aurais aimé que l'item qu'on n'ait pas eu, ce soit cette terrible monture, hein. Celle-là, là. Ah! Il faut looter, monsieur! Le reste, on a tout, hein. Sapin, c'est une odeur incroyable. Ouais, j'aime trop l'odeur du sapin. Bougie d'anime soufflée. Oh, j'avoue, l'odeur du feu soufflé, là, c'est trop bon, j'adore. Sirop de bourgeon de sapin. Attends, mais c'est un vrai truc, ça? Sirop de bourgeon de sapin. C'est incroyable. Martini café. Putain, j'ai hésité à m'acheter ça pendant les vacances. M'acheter une bougie odeur café glacé et tout. Genre, je trouve ça sent trop bon. Parfum violette. Oh, qu'est-ce que c'est bon la violette. Clara, elle en a ramené en soirée l'autre jour. Du sirop de violette. Oh là là, pétard, qu'est-ce que j'en ai bu. C'est incroyable. Tu prends les pousses vertes au printemps dans un bocal avec du sucre, ça te fait un jus sucré que tu dilues dans de l'eau, c'est top. Ça, ça a l'air bon, ouais. Ça m'évoque un peu le genépi ou les trucs comme ça. Ça doit être trop bon. Allez, another one. Pétard, j'entends Trivia. Je crois que c'est Trivia qui m'a influencé sur ça. Qui m'a mis l'expression pétard. Elle le dit beaucoup, elle. Re, alors ça tombe un peu. Non, pour le moment, rien n'est tombé. Mais bon, c'est très rare, hein, donc... On le sait, hein, que ça a peu de chances de tomber, que c'est faut des tentatives, quoi. Hein. Mais qui sait ? C'est peut-être celle-là, les tentatives en question. La dernière fois, c'était tombé sur quasiment le dernier perso, hein. Donc bon. We don't know, we try. Un parfum de boulangerie en pleine fournée, le pain grillé, les viennoiseries qui dorent, le petit cocktail qui te donne faim quand tu passes à côté d'une boulangerie, alors même que tu viens de manger. Oh, c'est clair.
Ça, ça donne trop faim, le pain chaud, là. Trop bon. Quand ton linge sort de la machine... Oh, j'avoue, l'odeur du linge propre, là. L'odeur de la soupline. Elle dit aussi purée de pommes de terre. Oui, elle me fait trop rire à dire ça. Quand elle dit purée de pommes de terre. Quand tu l'obtiens sur un perso, tu l'as sur tous les persos. Oui. Oui, 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 c'est pour ça. C'est pour ça que je spam. La sapinette. Oh, la sapinette. I have no idea what it is. Qu'est-ce qu'il y a comme comme montures qui ont des hauts faits associés, enfin des pas des hauts faits mais des tours de force. Est-ce que je peux avoir cette info? Peut-être que je peux. Tour de force monture, putain je peux. Alors reine de Destrier de la mort. Mammouth de guerre, Mimiron, collectionneur de dromadaires, le raptor primordial ivoirien, ah, le gladiateur draconique, on pourra jamais l'avoir, et gladiateur, on pourra jamais l'avoir. C'est dommage que les montures les plus récentes, elles aient pas des hauts faits. Parce que je me disais un truc... Un peu marrant si jamais je fais avec tous mes persos et le dernier avec lequel je fais c'est ma chamane et que je l'ai et du coup ça le dit au guild en mode hé hé monture rare. Odeur pneu brûlé par une session drift. C'est quoi la vie que tu mènes Oriane? Bizarre là. Quand tu te poses dans un lit qui vient d'être changé après une journée crevante. Ah oh ouais j'adore. Quel feeling tellement agréable ça. Tu sais quand t'as marché de fou et tu poses enfin tes jambes là. Oh c'est trop agréable de fou, j'adore. Je trouve ça incroyable. Ça ou genre quand il fait chaud et que tu retournes ton oreiller et tu le mets du côté frais. Ça c'est trop bien, c'est tellement agréable. Odeur de livre neuf. Oh j'avoue l'odeur des livres là. Super agréable l'odeur des livres. Moi c'est vraiment les biscuits de Noël là, j'adore. L'odeur des biscuits de Noël, cannelle, spéculoos et tout. Je trouve ça incroyable. Encre de l'imprimante. Ça a une odeur ça? Il me faut d'abord choisir une cible. L'odeur du bois. Oh, j'avoue l'odeur du bois. Le warble à chaud c'est incroyable. L'une des plus douces odeurs que j'ai senties. Allez, un peu de douceur, Alice Razor! S'il te plaît, loot ta monture! Pitié, 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 libère-moi! Pitié, 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 pitié! Pitié! Il n'a pas eu pitié. Toujours pas pitié. Ça en fait des rasoirs. Putain, j'avoue, j'ai 70 rasoirs là. Je vais appeler Gillette, je vais leur dire. Eh les gars, j'ai 1000 rasoirs là. L'odeur de la crème brûlée, oh ouais, l'odeur de la crème brûlée, c'est une folie ça. La fin de la tirade du chambellan, ça me fait penser à Cartman dans South Park en mode « Je vous emmerde et je rentre à ma maison !» Tellement ça. Mais je suis attendu ailleurs. Adieu. Elle me fait trop rire la façon dont il le dit. Vraiment, il a une façon de parler, genre il est en mode grande tirade et tout. « Elle va renaître dans les flammes !» Tu sais, de ouf. Et la fin, il est en mode « Mais je suis attendu ailleurs. Adieu !» Genre vraiment le mec il avait plus le temps pour le script quoi. Il a eu la flemme de finir son doublage. Tu lootes enfin la monture et là le jeu qui plante. T'inquiète, si ça arrive, Blizzard il te renvoie. Pourquoi tu ne pourrais pas avoir les autres montures? Les autres montures lesquelles, desquelles tu parles? Faut que je me déterre à go level 80. Mais t'en as déjà un level 80 Yol, non? Tout ça pour se faire gasser la gueule 10 minutes après en plus, de ouf. T'sais, il parle en mode nu, je suis méchant, je m'en vais, je suis attendu ailleurs. Il a attendu pour se faire casser la gueule. Faut le deuxième. Pourquoi t'as besoin d'un deuxième perso 80?
Salut Mervina, ça va ou quoi? Tu vas bien? Hello, hello. Il en faut 4 parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pendant l'early access. Ah d'accord, ok, c'est un argument valable. J'entends l'argument. Mais si, en vrai, tu peux monter tes métiers. Tu peux full monter tes métiers. Il disait que ce serait pas dispo pendant l'early, et en fait, c'est dispo. Et en vrai, ça va aller vite. En fait, je me disais au début, j'étais en mode, oh, peut-être pas trop worse de prendre l'early access et tout. Et en fait, ceux qui n'ont pas l'early access, ils vont avoir l'accès au jeu mardi. Donc en fait, mardi, avoir l'accès au jeu, sachant que le reset des coffres, des trucs comme ça, c'est mercredi, ça te met un peu sur une longueur d'avance. De pouvoir venir faire l'early access et tout, et d'être préparé à avoir tes persos 80. Des visiteurs dans notre royaume des terres de feu. Journée de boulot finie, je suis libérée, c'est les vacances. GG! GG Miscon, ça y est, les vacances! Enfin! GG! Elle aussi a eu sa renaissance. Hier, ça a parlé d'ongles. Oui, hier, on a fait en live des ongles. Voilà. Hier, j'ai fait en live mes ongles avec une rubber base et du vernis LED, enfin du vernis UV que j'ai utilisé pour la première fois de ma vie. Ah, c'était un grand moment, hein! C'était quelque chose, hein. Mais en vrai, c'est bien, ça renforce bien les ongles et tout, je suis contente. On verra si ça tient sur la durée. Mais j'espère, hein. C'est quoi le but du jeu? C'est de tuer en boucle ce personnage de merde jusqu'à ce qu'il me donne une monture de merde. Il ne tombe jamais! Allez, tombe! Toujours pas! Ah! Vous sentez que c'est en train d'attaquer mon cerveau, là? Vous sentez que c'est en train d'attaquer mon cerveau? J'avais pas de dégraissant. Oui, j'avais pas de dégraissant. Mais j'ai pas besoin de dégraissant. Sa voix de Cave Johnson. C'est la voix du seum! J'en peux plus! S'il vous plaît. Il en reste combien de try ce soir? Une petite dizaine, je crois? Un peu moins. Moins d'une dizaine. Il reste très exactement... si, en vrai, 16 try, non? Je sais pas compter. Oh, je suis perdue. Jusqu'à 94, quoi. T'as dépassé le stade du « c'est reposant de le faire en boucle ». C'est pas reposant! C'est pas reposant, ça me tend. Je veux que ta monture tombe. Ça y est. Je vous ai dit, il y a le stade de la colère, de l'indifférence, de la joie, de la colère, machin. Moi, je suis passée dans le stade de la colère. Où est passée la chance du streamer? Mais oui, de fou. Où est passée la chance du streamer? Elle a disparu. J'ai pété un câble à farm toutes les montures sur un seul perso chaque semaine pendant 2 ans. Mais quel cauchemar de faire ça. Pour moi, si tu fais ce genre de truc, faut le faire genre de façon un peu opti, à pas trop te prendre la tête. Genre, là, pour le besoin du stream, on fait deux raids. Mais en vrai, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un seul raid à chaque fois, pas deux. Et du coup, on laisse tous les persos devant, ils sont en parking devant, on rentre dans le raid, on fait, on repart. Et si on l'a pas, bonne chance, la semaine suivante on retente. Idéalement, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Mais bon, comme on avait laissé tous les persos devant TQV la dernière fois, donc je me suis dit, vas-y, on tente de faire TQV. Et comme ça fait 1000 ans qu'on essaie d'avoir un Lysrazor, je me suis dit, vas-y, on tente quand même, quoi. Je vais prier pour que la chance arrive. Franchement, lâchez une petite prière, les gars. Hein. Lâchez des petites prières, là, hein, parce que fou, c'est dur. Hein. Oh, vous êtes trop mignon à expliquer, wow. Il n'y a aucun artefact qui veut booster le loot. Aucun. Si t'as de la chance, tu l'as vite. Si t'as pas de chance, tu l'as jamais. Sans le désarroi de notre reine goblin. Wow, c'est un MMORPG, tu fais des quêtes, tu évolues dans le scénario du jeu. Si tu trouves des potes avec qui jouer ou dans le jeu pour faire kiffer, tu peux profiter d'un univers riche de 20 ans de contenu très varié. C'est au sens propre une aventure, il n'y a pas une bonne façon d'y jouer si ce n'est de profiter de ce que le jeu t'offre. Explorer, des quêtes à faire, des métiers à monter, spéculer à l'hôtel des ventes,
collectionner des montures. C'est une si belle explication, j'adore. Trop mignon. Faut donner une petite pièce pour que la prière fonctionne. Donner une petite pièce au streamer, tu veux dire ? C'est une façon de dire abonnez-vous ? C'est quoi le pourcentage d'avoir de cette monture ? 1%. 1%, c'est marqué en bas à gauche du coup. Je vous ai fait une petite... un petit encart où je vous ai mis à quoi ressemble la monture, à quoi ressemble l'objet qu'on essaie d'avoir qui donne la monture, le pourcentage, à quoi elle ressemble aussi la monture, que vous puissiez avoir toutes les infos. Et du coup, on a 1% de chance de l'avoir. Et notamment, il y a marqué aussi le nombre de tentatives d'affilée qu'on a fait. Normalement, elle va arriver, on se rapproche de 100. C'est délu hein, de dire ça. C'est très délu de dire ça, mais bon, j'aime bien. Je suis assez d'accord. Mais oui, c'est très délu. Je suis hors de portée. Je suis trop loin. Ah, les cris qui poussent là. Bizarre l'ambiance. Je dois m'approcher. J'aime bien les DH en vrai, je comprends que les gens y jouent ça. Ah, j'étais un peu loin, dommage. Je dois m'approcher. C'est un peu marrant comme perso. Blizzard sont des blagueurs. Bah... non, Alice Raza, en vrai, il n'y a jamais eu de pourcentage de chance plus élevé de l'avoir. Autant celle de Ragnaros, elle est moins rare, parce que du coup, tu avais un pourcentage de chance augmenté de l'avoir si tu faisais Ragnaros en... C'est héroïque, du coup, à l'époque. Héroïque 25. Tu avais 100% de chance de l'avoir, mais une personne parmi les 25 l'avait. Mais par contre, Alice Razor, ça a toujours été 1%, je crois. Mais je suis attendu ailleurs. Adieu. Donc, belle déter, hein. Je sers désormais un nouveau maître. Je suis hors de portée. Allez, ça suffit, Alice Razor, il faut looter maintenant. Les viewers veulent la monture. Allez. Alice Razor, les viewers ont demandé la monture, s'il te plaît! Ah, toujours pas! Ah! Toujours pas. On cherche toujours la même monture. Ouais, ouais, toujours. Toujours, toujours. Enfin, ça dépend si tu étais là tout à l'heure quand on faisait TQV. Si tu étais là pendant qu'on était dans une sorte de zone dans le ciel, non, c'est plus la même monture. Si tu étais là depuis qu'on est dans le truc de lave, oui, c'est toujours la même. Il a dit adieu comme Johnny. Oh, c'est terrible. Terre de flamme, elle est seulement terrestre. Oui, c'est exactement ça. Bon, plus qu'il fasse des montures shiny. Non, non, non. Franchement, personne serait assez fou pour faire des montures shiny. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Il y a eu un event avant une extension où plein de montures étaient boost à mort. Ah ouais? C'était quoi l'event? Moi j'avoue que les events genre remix et tout, c'était trop bien. Hein. Remix, ça te permet d'avoir toutes les montures rares de mop faciles. Tu vas finir par me donner envie de jouer à ce jeu. Pourtant la chasse aux montures, c'est vraiment probablement la pire publicité au jeu possible. T'as un univers entier où t'as des histoires de fous, t'as plein de choses à faire, t'as du PVE, t'as du PVP, t'as des donjons, t'as des cosmétiques, t'as 1000 trucs à faire. La meuf, elle fait quoi? Elle farm en boucle des raids qui ont genre 16 ans d'âge pour obtenir un vieux pigeon enflammé qui vole même pas. Il y a la chasse aux mascottes aussi. Oh non mais ça, c'est encore pire. Vous me trouvez zinzin avec la chasse aux montures? La chasse aux mascottes, c'est le niveau suprême de la folie. Merci Goblex! OMG, merci Goblex! Merci beaucoup pour les 5 subs offerts, c'est trop mimi. Merci infiniment à toi, trop gentil, merci beaucoup. Tu es déjà monté 80? Non, non, je suis pas 80, je suis 72. Je suis 72, mais je voulais qu'on teste pour la semaine avant le reset les montures. J'aime bien le vendredi que ce soit notre jour de chasse aux montures. Il n'y a pas de montures shiny, mais il y en a de plusieurs couleurs et certaines qu'on ne peut plus avoir aussi. C'est vrai, il y a des montures tellement rares qu'on ne peut plus les avoir. Tu as eu le chat de la colère? Ouais, j'ai celle du chat de la colère. Elle va rester au fond de l'inventaire. Oui, c'est réel. Merci Gazalou. Je dois m'approcher. Merci à toi Gazalou.
ton sub. J'espère te porter chance. Franchement, Goblex. Je suis trop loin. J'espère aussi. J'espère que tu vas nous porter chance. Je dois d'abord choisir une cible. Parce que là, je suis brisée à l'intérieur. J'espère vraiment que ça va nous porter chance. Allez, Prage. Prage. C'est peut-être la bonne. Peut-être celle-ci, la 80e. 80 trails pour une monture, quoi. Et en vrai, vous savez quoi? Ce serait pas si énorme, 80 trails pour une monture. C'est beaucoup, hein, mais c'est pas non plus... Tu peux être très malchanceux et genre... en 300 trails, tu l'as jamais, quoi. Bon, là, c'est vraiment que t'es très malchanceux. Là, j'y crois, je le sens bien, en vrai. J'y crois. Goblex, il m'a donné trop la foi, là. Je sers désormais un nouveau maître. Allez, pitié, Alizrazor. Pitié. I beg you. Lâche ta monture, s'il te plaît. S'il te plaît, I beg you. Alizrazor, par pitié, libère-nous. Non, toujours pas. Toujours pas. Je vais trahir aussi, c'est au Mongial. Ouais, c'est au Mongial. Non mais ça, je sens, vous allez aller trahir, vous allez me dire Sunday, je l'ai eu en deux essais en fait. Ça drop. Non, je suis trop triste, il a pas drop. Allez, il nous en reste 14. Putain, encore 14 tries. Enfin, on en fait des tries. Hein. Franchement, on se donne les moyens. Hein. Ça semble ridicule comparé au Pokémon Shiny, mais la durée du try est pas pareille. Oui, voilà, c'est ça. La durée d'un trail est vraiment pas la même. Oh shit, here we go again. Encore. J'en peux plus. Je n'en puis plus, messieurs, dames. Mais ça va le faire. Elle va finir par tomber. On va pas passer les entrailles. Après, si elle tombe pas ce soir, il y aura un peu le petit la petite saveur du imaginez on dépasse les centrailles quoi. C'est possible. It could be. Va falloir chasser quelques shiny pour remettre la chance en route. Mais on me disait qu'il y a des nouveaux shiny là qui ont des taux d'apparition boostés, donc faire qu'on check ça. Hein. Imaginez les stats de Pokémon, mais le spawn est de 1 Pokémon toutes les 30 minutes. Le cauchemar. Mais il y a des systèmes comme ça en vrai. Hein. Désolé, j'espérais pour toi. Moi aussi, j'espérais. Mais t'inquiète, il nous reste encore 14 essais. Ça peut le faire. 14 essais, c'est beaucoup en vrai. Hein. Dites-vous que 14 essais, c'est ce qu'on a fait sur ce raid-là. Hein. Ça veut dire qu'on... Ah putain, on a fait juste la moitié, là. Non. Attendez, mais on n'a pas autant de persos. Putain, si, on a autant de persos. Cette fois, c'est la bonne, j'en suis sûre. Rage, s'il vous plaît. Peut-être le sang symbolique. Ouais, le sang, c'est un peu symbolique, tu vois. Mon espoir et ma joie de vivre se dissipent peu à peu. Peu à peu. Ouh là là, la liaison d'une lettre qui n'existe pas. Peu à peu. Non, moi, j'y crois. Il faut rester accroché. Le choc mental, merde, j'ai monté autant de persos, moi. Et je vais devoir en monter tellement, parce que j'ai monté quasiment que les mêmes classes. Il va falloir que je monte des classes que j'ai pas. Genre moine, j'ai pas. Paladin, j'ai pas. Après, j'ai des sésames, donc au pire. Tu peux le faire qu'un certain nombre de fois par perso. Oui, je peux le faire deux fois par personnage par semaine. Rien que le shiny dex de la première gen avec si peu de spawn, c'est une des terres de zinzin. Je sais pas si je le ferai en entier, le shiny dex. Hein. On verra.
We believe. Allez. J'ai monté 10 personnes niveau 70. Eh bien, nous sommes ensemble. J'ai un druide elfe de la nuit qui traîne peut-être de l'époque de Cataclysme Lich King. Moi aussi, j'ai un déca et un vieux druide qui date de cette époque-là. T'as des graines de sésame, tu vas les utiliser pour quoi? C'est des sésames dans le jeu. Dans le jeu, le sésame te permet de passer niveau max instantanément. Ça te permet du coup, si t'as pas joué depuis longtemps, de pouvoir retrouver tes amis si eux y jouent, etc. Ça a été un truc un peu controversé. Parce que c'est, concrètement, c'est du pay to win. Enfin, c'est du pay to fast. C'est pas du pay to win, c'est du pay to fast. Donc ça a été un peu décrié. C'est comme Alibaba. Sésame, level up moi. Exactement. Je te pose des questions pour que tu expliques à ceux qui connaissent pas. Oui, c'est trop mimi, Mouchi. Je suis hors de portée. Je l'ai, t'inquiète. Enfin, le fait que mon drag tire sur mon perso le plus lent. C'est juste que probablement. C'est trop loin. Probablement, j'ai pas du tout compris les sorts et les trucs comme ça. J'avoue que drag tire, j'en ai rien à faire. Là, je le sens bien. Allez, Pride! S'il vous plaît, là c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne. S'il vous plaît, I beg you. S'il vous plaît, I beg you. Allez, Prage. Oh là là, ça invoque les granivoles là. Ça invoque les granivoles. Allez. Cette fois, c'est la bonne. Oh putain, et puis elle est morte bien loin, quoi. Allez. Prage. Je finis par croire qu'elle n'existe pas, les gars. Je pense qu'elle n'existe pas, hein. If I speak... Sa dernière ligne de dialogue, il va rester imprimée dans ma tête à force. Genre le « je sers un nouveau maître mortel !» Ça en fait des carcasses de poulet rôti, tain, j'avoue. Qu'est-ce qu'on ramasse du poulet rôti ici? Oh, l'absence de flow la plus totale, le drag tire sur un poney. De toute façon, personnelle opinion, les drag tirs, je trouve ça affreux. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment pas. Les dragons là... Ça ne me parle pas du tout comme race. J'en ai un parce que j'avais monté un évoqueur. Je l'avais fait pour une OP, je me rappelle. C'était avec Zoltan, Zulu et tout, je crois. Je suis pas sûre pour Zulu, je crois qu'il était là. Alors on avait monté nos petits drag-tirs et tout, on avait testé toute la nouvelle zone. Mais j'avoue que... J'ai vu qu'il débloquait le drag tir, enfin plein de nouvelles classes pour les drag tir, mais fou. J'ai pas très envie de faire un drag tir shaman quoi. Allez hop, on y repart. 82e try. Ça fait furie. Ouais voilà, exactement, ça fait furie. Pas fan et les races demi-dragons, j'aime bien en général. En fait quand ils sont en humain, ils sont un peu stylés. Je trouve qu'ils ont les plus belles options de personnalisation quand ils sont en forme humaine. Mais quand ils sont en dragon, bah ils sont horribles quoi. Et dès que tu lances un fight avec, ils deviennent des dragons. J'ai craqué, je viens de reprendre du temps de jeu de la nouvelle extension, j'ai Dragonflight à faire avant. Oh bah t'as du temps alors. Mais t'as pas pris l'early access du coup. T'as pas besoin de l'early access hein, si t'as pas fait Dragonflight encore. En tout cas, enjoy, régale-toi bien, c'est vraiment le meilleur jeu. Ce serait encore un meilleur jeu si la monture pouvait looter. J'ai pas pris les vics. Oui, bah ça va. Du coup, on est de retour sur eux. Ouais. Je suis hors de portée. Ouais, je sais, ça dégoûte, mais on a toujours pas looté cette monture et bon, faudrait qu'on la loote quoi.
Faudrait qu'on arrive à la voir, ce serait bien. C'est quoi ton jeu préféré? C'est WoW. C'est trop loin. Même si vous m'entendez râler dessus en mode bou bou bou. Je préfère un double saut, ok. Vous m'entendez râler en mode bou bou bou, la monture, tout ça. C'est de loin mon jeu préféré ever, c'est World of Warcraft. On va y arriver pour flex pendant le Wotel. Mais tu sais que surtout, personne ne sera impressionné au Wotel par cette monture. Dans les flammes. Je vais faire Dragonfly sur mon main, j'utiliserai le sésame pour un alt. J'ai besoin de retrouver mes marques avec ma classe. Très bonne idée. Qui aime bien châtie bien. Je pense que c'est ça, le jeu bully, et du coup je l'aime bien. Ils l'ont déjà. Non, je pense qu'ils l'ont pas, mais je pense qu'ils s'en tapent. Je pense que la seule chose qu'ils respectent, c'est les gros chiffres, pas les montures. Alors, attention! Est-ce que celle-là, est-ce que peut-être c'est la bonne? Allez, peut-être, libère-moi. Je veux pas mettre à pleurer! Je veux pleurer, les gars, je veux pleurer! Je vais pleurer. Exactement, Drixa, ils vont faire ça. Ils vont dire ok, combien de DPS tu fais? Voir ma collection monture pour faire bravo, c'est bien bouffonne. Bon alors, ton DPS. Victime. Respectez votre streameuse. Logiquement, encore 18 trails et un drop. Ouais, de fou. C'est vrai qu'il y a une pitié. Non. Mes espérances s'envolent, tel un pigeon enflammé. Mais elle ne vole même pas! C'est ça, elle vole même pas! Elle fait que marcher! C'est un pigeon genre, il est asthmatique! Il fait rien! Il brûle juste. Combustion! Dizzy Try vu que 1%. Ouais, Dizzy Try. C'est la monture troll, mais oui. Non, en vrai, elle est stylée. Non, mais en fait, je perds mon karma parce que. Enfin. C'est juste le karma parce que j'ai eu Anzu en un try l'autre jour. Forcément, il y a un rééquilibrage de karma au bout d'un moment. Il y a une pitié? Non, il n'y a pas de pitié. C'est pour ça que j'en rigole, je suis en mode bah non, il n'y a pas de pitié. Oh, le jour où on va l'avoir looté, on n'aura plus jamais besoin de remettre les pieds dans ce raid de mort là. Ça montre à quel point mon espérance est faible. Il reste encore 12 trails. C'est colossal 12 trails, hein. En fait, on a plus d'une trentaine de trails. C'est abusé, hein. C'est énormissime, je sais pas si vous vous rendez compte. D'à quel point on peut faire beaucoup de trails. %, ça veut dire 60 try, tu loot une fois. Ouais, normalement, c'est ça la stat. Point positif, c'est de sortir aussi vite que t'es rentré. Mais je peux même pas faire un truc pour sortir plus vite. Après, ça dépend des classes. Il y a des classes plus ou moins rapides. J'avoue que l'évoqueur, fou, c'est un tank, quoi. 12 try, c'est important, mais au vu des 1%, bah oui. On peut ne pas l'avoir aujourd'hui, oui. On peut ne pas l'avoir aujourd'hui. Tu as déjà réussi avec un descend de faire un. Oui, voilà, bah c'est la même chose. Vous prenez un descend. Et ensuite, vous le lancez jusqu'à réussir à faire un. Et si vous faites un, bravo, vous avez eu le pigeon. On peut ne jamais l'avoir, mais chut. Arrêtez. Arrêtez, là, vous me faites du mal. Faut pas dire ça. It's not happening. Go try en slash round. Je viens du futur et je peux affirmer que ça va être compliqué. Arrête de me briser. Tu connais le trou de drop du pigeon violet? Lequel pigeon violet? Tu vas rêver de pigeon enflammé. Je vais rêver de ce raid cette nuit. Hein. Je pourrais rêver de la nouvelle zone et de la nouvelle extension et tout. Ça, mais vous rendez compte que si on avait Pex à la place de cette monture, on serait déjà niveau max là? Vous osez pénétrer dans mon domaine.
Mais nous, on est en train de faire juste en boucle ce raid de mort, là. Le même en violet dans le donjon. C'est lequel? Ça me parle pas, je vois pas lequel c'est. C'est l'aile du vide corrompu, là? Non, c'est pas celui-là. Ouais, mais t'es bizarre, oui. Ou Hôtel, ils vont le faire pour le raid. Ils vont faire le raid pour le prestige, Sunday, elle va le faire pour la Mount. Vous allez voir qu'on va tomber le HM. La Mount va être là. Et je vais faire un au round 2. Genre, je vais faire un. Vous allez me voir hurler. Hurler en mute parce que je vais vous respecter. Y'a pas de round, c'est perso. Ah oui, putain, c'est perso, j'avoue. Mais oui, mais tu fais round. Enfin, tu fais round 1 quand même, non? Tu le vois ton round. Piaf corrompu. J'ai pas la ref. Je vois pas quelle monture c'est. Mais souvent les montures de donjon et tout, c'est 1%. Des visiteurs dans notre royaume des terres de feu. Ah, soit c'est dans le coffre, soit ça l'est pas. Ok. Putain, ça serait une folie. En vrai, ça me ferait trop plaisir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui farme les mounts. Il me semble que Lapis est un gros farmer de mounts aussi. If I remember correctly. Oh, son speech là. Elle est belle, non? J'aimerais la voir réduire votre pitoyable groupe en cendres, mais je suis attendu ailleurs. Adieu. Vraiment, il en a rien à foutre. Je sers désormais un nouveau maître. Qui connaît sa phrase par cœur là? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à répéter les trucs qu'elle dit? Juste pour savoir si c'est moi qui deviens zinzin ou juste tout le monde devient fou là? Tapi ne joue pas KO? Si, je crois qu'il joue KO. Pitié, 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 loute la monture, non, toujours bou. Je connaissais le dialogue du premier Agnaros chambellan par cœur tellement je farmais Sulfuras. Trop tôt, Exécutus, tu m'as réveillé trop tôt, que signifie cette interruption? La chance reviendra la semaine prochaine. Non, on peut encore la voir. Oh là là, le spam de Boubou là. Pourquoi tu profites pas du pex et de l'histoire au lieu de t'infliger ça pour une monture useless? Voilà. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ressentez juste la colère. La colère dans mon regard. Le changement de scène qui a pas proc. Non, j'ai pas voulu en faire. J'ai pas voulu changer de scène. C'est trop loin. Mon stream deck est trop loin. J'ai plus d'énergie. Ça m'a tout pris. Je me sentirais attaqué, j'aurais ban. Mais il a pas tort. Je dis les termes, quoi. Je dis pas trop les termes, quand même. Fais gaffe, hein. Pouf, pouf, pouf. Hop. J'ai cru que c'était ta tête en mode zoom. Non, non, pas besoin. J'ai pas besoin de zoomer. Vous avez juste... Vous avez vu ma tête. Dis pas à mes joueurs que c'est qu'un dé sur un dessin, ils ont eu la pire rencontre possible qui a viré à l'aventure de « On détruit l'Empire de la Terreur installé par des guildes esclavagistes. À bordel, on a une légion de démons qu'on doit réussir à faire botter en touche derrière ce trafic de gens. Ah, » je préfère mon pigeon, quoi. Moi, si j'étais con, j'aimerais pas qu'on me le dise. Vous êtes trop à l'aise dans ce chat, ça va pas la tête, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Imagine avoir drop Sandalin la première fois, j'ai fait 100, mais un autre mec aussi. Et avoir un 1 et lui refait un 100. Mais imagine avoir drop les Sandalin. Hein. La première fois... Attends, mais tu as mis deux fois ton message d'affilée. Des malades ton chat, faut ban. Putain, j'avoue, Ayel, t'as trop raison là.
J'avoue, Ayol, t'as trop raison. Faut ban, là. J'espère que le try 87 sera le bon. Merci, on y croit, on y croit. Après, on est au 83, là. Enfin, 84. C'est des effets secondaires quand t'es parti trop longtemps. J'avoue, dès que je pars trop longtemps, vous êtes dissident, vous faites n'importe quoi. Ça, c'est parce que Mister JD, il a fait n'importe quoi. Il a mauvaise influence sur vous. Elle m'avait rendu ma liberté au Mont-Ijal. Elle aussi a eu sa renaissance. Bon, allez, pitié, loot-moi cette monture, là. Mon corps est si lourd. Je suis allé chez Brianae. Ils ont très mauvaise influence sur vous. C'est l'esprit gobelin, on n'avait pas notre reine pour nous guider. Du coup, vous êtes devenu dissident. Allez, connasse, file ta monture, j'en peux plus. Ça fait 70 000 fois que je te tue, là. Loot, loot ta monture. Une petite pensée pour mes voisins qui m'entendent hurler. Tu sais ce que lourd, la monture qui est pas dans ton sac. Aïe, tu vas prendre 10 minutes si tu continues. JPP. JPP. Pitié, libère-nous de cette boucle temporelle. Mais oui, on est tous en pacte comme ça. On est tous... C'est un pacte. On est tous dans un pacte avec nos petits doigts liés tous les uns aux autres. Et on est en mode, on ne peut pas quitter cette prison tant qu'on n'a pas obtenu cette monture de mort. On est tous enchaînés, mais c'est exactement ça. C'est Chain Together, mais en live. Genre, on est tous enchaînés les uns aux autres. Et la seule façon de nous libérer, c'est d'avoir cette monture. Je vous en supplie, libérez-moi. Envie de commencer WoW juste pour faire des montures. Mais non, n'allez pas dans cette prison. N'allez pas dans cette prison, les gars. Restez libres. Je suis le premier à croiser les doigts pour toi. Mais tous, parce qu'on serait tous libérés, enfin. On serait tous libérés de ce cauchemar. C'est pire que les Traknaram, en vrai. Hein. Cette fois-ci, c'est la bonne, je le sens. Ça fait pas 8 fois que tu dis ça. J'ai envie d'y croire un peu. En plus, on va sur le druide, là. Ça y est, on commence à aller sur les persos rapides. On a fait tous les persos que j'utilise jamais qui sont pas rapides et tout. Si je commence WoW là, il me faut combien de temps pour voir Trail le ferme? Franchement, quelques heures en vrai. En vrai, c'est assez rapide, je pense. Hein. Ça m'envoie où? À Valdraken. Okay. Y a pas un TP... Je me demande s'il y a pas un TP direct pour Ijal. Quelques heures, ça se tente en vrai. Après, c'est un gros investissement juste pour tester quand même. Parce que c'est pas niveau 20. Ah si, mon Ijal, je me disais bien qu'il y avait un TP mon Ijal. T'as un sésame aussi la première fois? Ah ouais, mais là du coup, vous allez rien comprendre au jeu. Est-ce qu'il faut comprendre quelque chose pour pouvoir faire ça? Non. Y a pas de moon, ta farm level 20. Non. Allez hop, let's go, le petit papillon. Wouhou! Non, je le sens bien. En vrai, là, ça y est, je le sens bien. Au début, je le sentais pas, j'étais en mode « Ah, y a pas de luck et tout. » Là, ça y est. Genre, je me dis... Ça va le faire. Je vais me tailler 2 minutes, elle va l'avoir, j'aurai un somme tellement grand que je pourrais m'allonger dedans. Tu sais que c'est très hautement probable, hein. Une remix à remix level 20. Ah oui, remix, si t'arrivais au level 20, t'avais une monture. Mais c'était il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Ça s'est littéralement fini il y a 3 jours. Mais bon.
Pas lui, mais le prochain, c'est le bon, je le call. Vous croyez c'est le 87 le bon? Il y a du monde qui a invoqué le 87. Je fais mon ménage accompagné du live. Mais moi, je vous dis, c'est la meilleure tech. Le ménage pour faire, genre, quand vous faites la cuisine, le ménage, les tâches ménagères nulles. Hop, vous mettez Sundo, c'est comme ça, c'est moins nul. 88, c'est l'infini. Non, 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 non. Moi, j'y crois plus, désolé. Non! Il faut y croire si vous y croyez pas. Comment on va faire? Je pense que c'est le 88, je dis pas ça parce que c'est mon année de naissance. Allez. 8-6, c'est le bon. Non, c'est une bière, ça. Finito pipo. Arrêtez! Provoquez pas le bad karma. Ça suffit. Moi, je le sens bien, là. Je commence à avoir un petit flair, un petit frisson d'espoir qui renaît. J'ai l'impression qu'on s'approche, on touche des doigts. On touche le but des doigts. Qu'est-ce que c'est? Des visiteurs dans s'il le te plaît, I beg you. I beg you, Alice Razor. Il y a une moyenne pour ce genre de drop, 1%. Elle aussi a eu sa renaissance. Allez. Dans les flammes. Prage. J'aimerais la voir réduire votre... Prage. Il va finir par tomber. Où sont les croiseurs? Il faut que ça tombe. Pitié. Pitié, Alice Razor. Pitié, file-nous le pigeon. I beg you, donne-nous le pigeon. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais pleurer, les gars. Je vais, premier degré, me mettre à pleurer en live. Boubou, oui, bah oui, Boubou. Bien sûr, Boubou. Normal que Boubou pleure, ça va faire des vues. Garde tes larmes pour le Z-Event. T'inquiète, elles seront rechargées d'ici là. Le jeu va te donner au 101ème essai pour tester ta ténacité. Mais oui, mais ce qui est vraiment terrifiant comme ça, c'est que 101ème try, c'est pas si mal quoi. En gros, t'es chanceux si tu l'as en moins de... Combien il disait? Chanceux si tu l'as en moins de 70. Donc là, on a passé le cap d'être chanceux. On n'est plus dans la catégorie chanceux. Je sais pas ce que c'est la catégorie d'après, parce que malheureusement, la donne bug pire... la donne bug pile sur ce raid-là. C'est vraiment dommage. Jusqu'à 166, c'est la moyenne probablement. Ah, sûrement, hein. Sûrement que c'est plus dans les 150, hein. Non mais je le sens bien. Vous m'avez dit 87, 88. On approche, mais je le sens. Genre j'ai un truc qui me... Un feeling à l'intérieur, je le sens que ça va tomber. Ça y est. C'est un vrai feeling. Après, chanceux, c'est malchanceux direct? Y a pas un truc genre dans la moyenne ou quoi? Peut-être que celle-là est la bonne. Non, arrêtez! Elle est belle cet instinct, c'est quoi? C'est les terres de feu. Excellent raid de Cataclysme. Qui va sûrement être dispo du coup dans... dans la prochaine mise à jour de WoW Classic. Ah, c'est malchanceux direct, d'accord. Je vois personne parler de leur département, sur le chiffre où tu l'auras. Si on fait avec le mien, tu l'auras au 974e try. Alors on va se dire que je l'aurai avant ton département quand même. Tu es statistiquement moyenne. Je me sens un peu insultée. Bizarrement. Qu'est-ce que c'est? C'est étrange, mais j'ai l'impression... Allez, we believe.
Ils ont toujours pas fait de scaling pour mettre tous les raids level max. Ah mais le cauchemar, si les terres de feu devenaient level max là. Tu veux un phénix? Oui, je veux la monture qui est en bas. Tu peux la voir en bas du stream là, en bas à gauche. Il y a l'objet, il y a le nombre de tentatives. Il y a à quoi elle ressemble, il y a tout. Mais je suis attendu ailleurs. Adieu. Bon allez Alizrazor, I beg you. Normalement 86. 86 là je le sens bien. Je sens qu'on est dans la... On est dans la range où ça va looter. Allez. Allez, c'est la range où ça loot. Par pitié, I beg you. En mode genre salut cocu. On m'a dit cocu wesh. 86 try. Plus jamais un pied dans ce raid de mort. Oh là là. Oh, Toby a reçu sa chaussette. Elle est là. On l'a eu. On l'a eu. GG à tous. JPP, je suis partie chercher à boire et elle drop. Oh, désolé, le cri que j'ai passé. Tu vas faire quoi avec cet oiseau de feu? Regardez ça. Je l'ai! Je l'ai! J'ai l'oiseau de feu! Merci Némétrice, merci Dawnblade, merci beaucoup. Oh là là! Citrailles. Je l'ai! Je l'ai, je l'ai, je l'ai! Ça en fait des années, ça fait juste 3 semaines. Let's go! On a eu le poussin! On a eu le poussin et vous étiez très proche, hein! Vous m'avez dit. Sunday, je call, c'est le 87. Eh bien, vous aviez bien prédit, finalement, c'est le 86. Il est tombé au 86e try. Oh, je me sens si heureuse, les gars, qu'on l'ait enfin. Oh, putain. Premier degré, ma voisine est venue toquer pour demander si tout allait bien, du coup, elle te félicite. Désolé à tous vos voisins qui ont été choc-barre de baisers, hein, évidemment. Désolé aux miens. Désolé aux miens. Savourez l'image, il ne ressortira plus de la collection. Hop, savourez-le bien. Hein. Vous l'avez vu? Vous le voyez? Magnifique, on fait une photo. Allez, hein. La react était dingue. Mais en fait, par rapport aux shiny, c'est tellement plus rare que des shiny d'avoir les montures. Que du coup, la réac, elle en est tellement démultipliée de zinzin. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point c'est intense d'avoir des montures.